Salut à tous, bienvenue sur la chaîne d'Ororokun, je suis en compagnie de Willow. Yo les gens. Et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau quiz, un nouveau battle. Donc on avait fait dernièrement un battle sur les screenshots de jeux vidéo, ouais. On avait fait sur un blind test. Et là aujourd'hui on a trouvé un nouveau concept dans lequel on va devoir se faire deviner des objets ayant appartenu à des personnages de jeux vidéo ou des artefacts connus. Ça peut être tout, connus, voilà. Genre un exemple débile, une potion dans Final Fantasy. Oui voilà, la Master Sword de Link, etc. Voilà. Donc aujourd'hui c'est Willow qui me fait deviner les objets qu'il a trouvé. 10 objets pour être plus précis. Voilà. 10 objets et dans la prochaine vidéo ce sera à mon tour. Donc, et celui qui aura le plus de points aura gagné le battle comme d'habitude. Prendra en compte les scores à la fin. C'est ça. Battle. Donc on espère que ça va vous plaire, hein. Faut pas hésiter à nous dire dans les commentaires si vous aimez ce genre de vidéo. Donc bah on va commencer tout de suite, hein. C'est parti. Donc vas-y. Ok, donc premier objet, c'est parti. Alors, ok, je pense que c'est à Kratos. Ouais. C'est l'âme du chaos, non? Comment ça s'appelle déjà? Je crois que c'est... Est-ce qu'il faut donner le nom précis? Non, parce que je m'en souviens plus du nom exact. Mais je veux que tu saches ce que c'est. Oui, c'est les... C'est, je crois que c'est les épées du désespoir ou un truc comme ça. Bah, c'est l'épée que Arès lui a enchaîné, les trucs avec les chaînes. Ok, donc un point. Donc un point, deuxième photo. Alors j'avais envie de dire Hearthstone, mais ça peut être dans Hearthstone. Tu te rapproches. Je dirais que c'est la pierre de téléportation dans World of Warcraft. La pierre de foyer pour être précis. Oui, la pierre de foyer. Mais je te l'accorde, je pensais pas que tu allais la trouver. Bien joué, si, donc 2 sur 2 pour l'instant. Ok. Ah, ça me dit grave quelque chose. Alors ça... Ah, c'est pas dans un Resident Evil? Je vais rien, je te dis plus maintenant. Plus aucun indice, rien, il faut que je gagne au moins. Ça, c'est un truc pour résoudre une énigme. Si, ça me dit grave quelque chose avec le hibou, le papier. C'est un truc où tu mets la griffe dedans et après, t'as une sorte de porte avec des ronds. Voilà. Bah, je dirais. Ah, est-ce que c'est raison? Est-ce qu'on fait comme les autres vidéos où t'as droit à deux propositions? Ouais, deux propositions. Je répondrais Resident Evil 5. Non. Rah. Oh là là, attends, ça me dit que... Last Guardian, peut-être, sinon. Ah, je connais ce truc, c'est abusé. Ah, je le connais, je le connais. Très traître. Ah non, je sais, Skyrim. C'est ton dernier mot? Ouais. Bien joué, Skyrim. Ah, yes. C'est la première quête où t'as un antiquaire qui a perdu sa griffe et tu dois faire le premier donjon. Et t'as dans l'ordre les cercles que t'as dit justement, c'était ça. C'est ça, ouais, le papier. Où t'avais l'ours. Oh merde! Bon bah t'as vu l'autre photo. Oui, c'est la photo grave. 4. Donc quatrième photo. Ah! Mais là! Ça, t'as un clin d'œil à nous deux. C'est les pierres de mana dans Aeon. C'est ça. Ah, bien joué. Et j'avais pas trouvé exactement. Putain, bien négocié. Que la pierre de mana. Ouais, ouais. Et c'est quelle pierre de mana? Oh, c'est de la précision ça, non? Coup critique. Mais bon, okay. Après ça. Ouais, il y a un MMO auquel on a beaucoup joué. T'es fort. Ouais, bah je pense que les gens savent depuis le temps, vu qu'on avait mis déjà des artworks d'Aeon dans les quiz de screen. Donc 4 sur 4, 5ème photo. Ah, oh, bah ça c'est facile. C'est une invocation dans Smash. Oh là là. Quand t'invoques un personnage. Ouais, c'est les trophées invocation. C'est ça. Bien joué, ça. La vidéo va être ultra rapide. Bah ouais. Si t'as 20, si t'as 20 objets, fais-les. Ouais, vas-y. On va faire 20 objets. Allez, 6ème photo. Ah là, un peu plus difficile. Alors ça... Oh non. C'est ce que c'est. Ah, c'est ouf que t'aies trouvé ça. C'est quoi? C'est les munis dans Kingdom Hearts. Mais c'est trop fort. Ah, c'est dingue. Ouais, c'est ça, mais en fait, c'est grave bien négocié. Putain. Parce que tu vois, c'est pas vraiment en 3D. Au début, j'ai dit. Ouais, juste un rond, ouais. Là, et tu vois pas, normalement, ça fait un peu. Bah, c'est un globe. Truc quoi. Hexagonal, un peu. Non, c'est des globes, c'est des boules. Oui, mais après, t'as les munis de 10 ou de 20, je sais plus. Oui, voilà. Ouais. Et c'est en forme de losange. Alors, les munis, c'est la monnaie, dans Kingdom Hearts. Et dès que tu shoots un ennemi, bah, t'as soit des petites sphères vertes qui te redonnent des soit HP. Soit des sphères de mana, voilà. Des boules. Et les munis, bah, c'est l'argent, quoi. Donc, okay. Oh putain, c'est dingue que t'aies trouvé ça. Sans faute, 6 sur 6, 7ème photo, c'est parti. Fortnite?
C'est ton dernier mot? Bon, de toute façon, j'ai le droit à deux trucs, mais ouais, je dirais Fortnite. Bien joué, c'est la Ah, petite ouais, mitraille la dans petite Fortnite. mitraille, ouais. Bon, bah, 7 sur 7, Cool. allez, c'est parti. Ah, facile. Je l'ai direct. Ah ouais, direct? Ouais. Les grenades à fragmentation dans Gears of War. Bien joué, 8 sur 8, 9ème photo, c'est parti. Oula. Alors ça, moi, je sais que je trouverai facilement parce que je connais. Toi, bon, je pense que tu connais aussi, mais je vais arrêter de Bah, parler, sinon ça va trop t'aider. c'est des ailes. Mais est-ce que c'est un Ouais. pendentif? Est-ce que c'est un artefact? Est-ce que c'est C'est un truc très courant. un truc très courant? Et je dis plus rien, j'arrête. C'est une plume de phénix? C'est ton dernier mot? T'as fait non, donc je pense que c'est pas ça. Merde, Donc mais je non, suis con moi aussi. c'est pas mon dernier mot. Ah ouais, pas évident celui-là. Ah bah c'est une aile, mais une aile qui représente quoi? Dans quel jeu? Je suis sûr qu'il y a des gens derrière leur écran qui l'ont. Est-ce que c'est dans Dragon Quest? Non, j'avoue, celui-là, je sais pas. Je vais répondre au hasard alors. T'as toujours pas fait les propositions. Je réponds au hasard Dragon Quest. Oui, mais tu réponds Dragon Quest, mais faut aussi le nom de l'objet. Ah, je l'ai pas, je sais pas ce que. Une aile. Ah non! Attends, c'est pas dans Pokémon? Je sais pas. Ah, est-ce que c'est l'aile métal pour faire évoluer? Non, c'est pas Je pour sais Lugia. pas. Bon, je dis allez au hasard, aile métal ou peau métal, je sais pas quoi dans Pokémon. Non. Non, c'est pas ça. Dernière proposition. Ou alors je retourne sur Dragon Quest parce que ça avait l'air d'être bon, je sais pas. Je sais pas. Ouais, mais je connais pas le nom de l'objet, là je vois pas ce que c'est. Je sais pas, c'est un truc qui te redonne un truc, mais quoi? Un truc qui te redonne un Oui, enfin truc. qui te fait un. C'est un bonus, mais. Non, je sais pas, je sais pas. Je sais Tu pas. donnes ta langue au chat? Ouais, je donne ma langue au chat. C'était une aile de chimère dans Dragon Quest, elle qui te permet de Ah! voyager de ville en ville. Donc 8 sur 9. En plus, je savais que c'était Dragon Quest, hein, je te l'ai dit. T'aurais dû donner au moins Dragon Quest, t'aurais eu Ouais, un mais. demi-point. Je Ah t'aurais ouais, donné. bah je savais pas que. Donc 10ème photo, c'est parti. Materia Final Fantasy VII. T'es sérieux? Oui. Oh là là. Moi j'aurais jamais trouvé, hein. Bah si, c'est Pourtant, facile. je trouve que ça ressemble à une vulgaire sphère toute pourrie. Bah ouais, mais je sais que c'est les Materia. Bon bah 9 sur 10, du coup tu veux faire 10 autres photos? Bah écoute, on est à 8 minutes, ouais, vas-y. 11ème photo. Bon, finalement, on est parti, oui, sur 20 photos. C'est quoi ce fruit? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, c'est pas dans Animal Crossing? Je sais pas, je ne te dirai rien. Motus c'est bouche cousue. Les légumes dans Animal Crossing, non? Pas ça? Bah, vas-y, je tente. Les espèces de navets ou dans Animal Crossing. Non. Donc c'est pas dans Animal Crossing. Non. Ah! Les choco-légumes. C'est Pour les ta... chocobos. Tu valides? Tu valides oui ou non? Non, ça ressemble peut-être pas à ça, les choco-légumes. Mais dans quoi ça peut être ça? Ça peut être style dans Harvest Moon? Dans. Ah, je sais pas, ça me dit rien ce légume comme ça là. Bon, allez, je. Putain, ça a l'air d'être un truc qu'on connaît, Là, mais. cette fois-ci, je me suis dit, je vais faire un truc plus compliqué. Bon, je réponds au hasard, les choco-légumes pour les chocobos. Faux! Les belles mépos dans Pokémon. Oh là là, ah ouais, Et non mais là t'as ouais. été Et loin! ouais, je crois que c'est mépos, je sais plus, j'avais Non, trouvé. Benanab, Je ou une sais plus le connerie comme nom, je crois ça. que c'est Ah, mépos. bien Je joué. sais que c'est celle qui te redonne un quart de vie quand ton Ouais, bien Pokémon joué, perd bien sa joué. vie. Putain, Donc c'est pas 9 évident. sur 11, donc 12ème photo, c'est parti. Ça, c'est dans Mario. C'est la plume qui te permet d'avoir la cape dans Mario. Tu valides? Ouais, je pense que c'est ça, je valide. Bien joué. Donc 10 sur 12, 13ème photo, c'est parti. Ouais, easy. Easy, je l'ai direct. Les plantes médicinales dans Resident Evil. Bien joué. Qui te redonnent Donc de la vie. 11 sur 13, 14ème photo.
What? C'est quoi ce truc? C'est un artwork. Ah oui, donc c'est pas le non, vrai. Non, c'est le seul indice que je te dis. Dans Metal Slug? Je sais pas, moi. Faut que tu valides, dis-moi. Je valide et je te dis oui ou non. On dirait les petits tanks là dans Metal Slug. Ouais, je valide les petits tanks dans Metal Slug. Bien joué. Ouais. 12 sur 14, 15ème photo. Bon, ça c'est easy. C'est méga facile. Vas-y, réponds. C'est Metroid. Oui, c'est quoi? Samus en boule morphing. Tu valides? Ouais, je valide. Bien joué. 13 sur 15, 16ème photo. Ah, c'est facile. Les gyromites, gyromites dans Animal Crossing. Faux. Quoi? Mais si, c'est ça. Non, mais pas exact. Bah si, les gyromites. C'est pas gyromites. Le jeu est bon. Le premier, la première syllabe est bonne, mais ça s'appelle pas les gyromites. Les gyro... Giro, je sais pas. Bon, je te l'accorde, c'était les gyroïdes. Ah ouais, bon, là, tu chipotes un peu. Je suis désolé, bon, ça compte quand même. Ouais, ouais. Donc 14 sur 16, 17ème photo. Ah, bien joué, putain, dans Monster Hunter. Piège de fosse. Bien joué. Ah, c'est le petit icône. Ah, c'est bien donc, joué ça. 15 sur 17, ouais, c'est sympa, 18ème photo, c'est parti. Bon bah c'est une vis, mais dans quoi si ça? Si j'arrive à te faire avoir au moins 3 fautes sur 20, c'est déjà pas mal. Oh là là, mais c'est quoi cette vis? Putain, ah ouais, t'as été chercher quand même des trucs assez... Ah bah oui, là, on a t'as dit que c'était trop facile, et encore, là, tu te débrouilles bien. Hein. Oh là là, c'est une vis, ouais. Dans un truc de construction. Non, j'allais dire, c'est les trucs que tu ramasses dans les jeux Lego, mais c'est pas ça. Tu ramasses. Ouais. Non, c'est pas ça. Non, là, j'avoue, je sèche. Je sais pas. Aucune réponse? Tu donnes ta langue au chat? Je dis au hasard dans Lego. Dans les jeux Lego. Non. Attends. Donc, il te reste une deuxième proposition. Tu donnes ta langue au chat? Attends, des boulons. Ah, je sais! Ah, je sais! Quoi? Éclair de génie, Ratchet & Clank. C'est-à-dire, t'as... Ouais. Bâtard. C'est le boulon d'or mais dans oui, Ratchet les and Clank. Le boulon dans Ratchet & Clank. Mais le boulon d'or, c'est qu'ils sont cachés dans chaque ouais, jeu. Putain, je me disais, dans quel jeu t'as des boulons? Putain, t'es trop fort. Donc, 17. Je t'ai dit, la théorie, moi, c'est. Non, 16 sur 18, c'est ça? Donc, t'as 19ème photo. C'est parti. Ah bah ça c'est facile, mais par contre j'ai pas de nom précis. Oh bah, si, ah si, la même. Feuille Korobu. Dans... Bah, faut que tu, je te donne le Zelda. Faut que tu me donnes le nom précis, le Zelda, sinon je ne t'accorde pas le point. Bah je dirais que c'est Wind Waker déjà, puisque ça fait grave cartoon. Et je dirais la feuille Korobu, branche Korobu. Non c'est pas ça? Le jeu oui, mais le nom non. Je te laisse une proposition. Ah, c'est bien le truc qui te permet de... Ouais, et de planer aussi. Ah, parce que... ah ça permet de planer aussi. Ah, je sais, c'est truc Korobu, mais après... ah, ça fait tellement une éternité, je me souviens plus du nom. Là, tu dois avoir le nom exact. Pense à qui donne cette feuille-là. Ah bah justement, ça remonte à une éternité, Wind Waker, pour moi. Je sais même plus qui est-ce qui te la donne. C'est un petit Korobu, je crois. Mais je me souviens plus. Ah, je sais. Feuille Mojo. Ouais. Bon, bah, 17 sur 19, bien joué. Dernière photo, c'est parti. 20ème et dernière photo. Ah, c'est facile, mais je me souviens plus du nom. C'est... l'arme d'Aloy dans Horizon Zero ouais, Dawn. Vous acceptez, c'est la lance Karja, je crois. Ouais, voilà, la lance. Ouais. Bon, bah bien joué, du coup, 18 oui, sur 20, t'as fait 2 putain, fautes. C'est pas mal. Donc, ah, c'est pas mal. Ah, franchement, c'est sympa ces petits quiz-là. Ça change. Je ouais, et puis il y a de quoi faire pas mal d'objets.
Au début, je voulais te mettre une autre arme, mais j'ai dit ça va être un peu compliqué. J'ai mis le truc le plus connu, la lance de base. Et voilà, je suis content que tu aies trouvé les minis quand même. Ah oui, les minis, c'est facile. Bien joué. Bon, voilà, on espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, je trouve que c'était vraiment sympa, ce concept. Ça change de trouver des images ou des trucs comme ça. Là, c'est vraiment des objets précis. On espère en tout cas que ça vous aura plu aussi. Faut pas hésiter à nous dire dans les commentaires combien vous en avez trouvé. Et éventuellement... Si vous en voulez d'autres aussi. Ouais, si vous en voulez d'autres, des quiz comme ça. En tout cas, nous, on aime bien faire ça. C'est rapide à faire et puis c'est sympa. Il y a juste à chercher des trucs, voilà. Donc, on vous dit à bientôt dans de prochaines vidéos. N'hésitez pas à nous mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire comme on vous l'a déjà dit. Et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao ciao. Ciao les gens.